vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, au chapitre 25. Psaume 25. Nous lirons du premier jusqu'au 22e verset. Psaume 25. Nous lisons. De David, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont... Désolé. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui les gardent, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocent et la droiture me protège quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Nous allons prendre le cantique 138. J'ai soif de ta présence. Thank you.
Frère est en train de jouer l'instrument, nous pouvons élever nos voix pour remettre les cultes de ce matin entre les mains du Seigneur. Nous avons besoin de sa présence ce matin, voilà la raison pour laquelle nous devons l'inviter, l'invoquer à venir confirmer sa sainte parole. Élevons tous nos voix. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, le créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons ce matin devant ta sainte présence, ô Dieu, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour nous avoir donné le souffle de vie ce matin,
de nous avoir permis, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, de quitter nos maisons et de venir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. Tu as dit dans ta parole, si le peuple par qui mon nom est invoqué, s'il s'assemble et prie à moi, j'exaucerai leurs vœux et je guérirai leur pays. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés en ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, et nous t'apportons, Seigneur, nos requêtes, et nous t'apportons, Seigneur Jésus, nos supplications. Père bien-aimé, exauce-nous de haut de cieux. Pardonne toutes nos faiblesses, Père éternel. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne toutes nos fautes que nous avons dû commettre depuis le matin, tout au long de la semaine. Père bien-aimé, nous t'invitons, ô Dieu, de venir régner, ô Père éternel, au milieu de ton peuple. Car tu nous as dit que là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous sommes plus que trois ce matin et nous croyons que tu es ici pour confirmer ta parole, Père. Nous voulons remettre cette communion en tes saintes mains. Ô Éternel des armées, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans ta présence, Seigneur, cette réunion ne ressemblera à rien, ô Dieu. Mais si tu es présent, tout sera parfait, Père. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur, pour que tu viennes régner, que tu viennes nous conduire, que tu viennes diriger cette réunion, Père bien-aimé, et que tout ce que nous ferons puisse être pour ta gloire. Nous remettons, Seigneur, ô Dieu, ton serviteur qui va nous apporter la parole, notre bien-aimé, notre cher pasteur Corneille, Père Yambou, nous te les confions en ta sainte main, Père. Bénis son ministère, ô Éternel. Bénis, Seigneur, ton peuple que tu as déplacé pour venir l'écouter. Ô Père, ouin-les de ton esprit, Père. Nous remettons tous les services des chants, ainsi que tes enfants qui l'écouteront, Seigneur Jésus, à travers le streaming, Père. Et nous remettons toutes tes choses en tes saintes mains, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons prendre les cantiques 38, je désire le voir. I want to see him. Voyageant dans les pays, je chante en marchant. Dans les âmes au calvaire, au cramoisi, mon âme pêchée par les flèches des dents et des hauts. Mon sauveur m'est conduit par les hauts. Et
devant moi les tourments du fond de l'abîme. Mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi. Il me conduit tendrement à travers ce monde. Oh, il est mon ami et je l'aime. Oh, moi, je désire le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine. Les cantiques 64 pour inviter la parole. Connaît-il cette cité? Le 201. Connaît-il cette cité? La cité céleste.
éclaté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ces trésors nous restent, la cité céleste. Connais-tu cette cité? Cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil et son Seigneur Jésus Christ, beloved Lord Jesus Christ, nos têtes sont inclinées, Seigneur, pour t'adorer. Our heads are bowed down to worship you. Père, Father, manifeste-toi, mets chacun de nous de côté. Manifest yourself and put us aside. Que ton Saint-Esprit parle. May your Holy Spirit speak. Guide. Guide. Reconforte, comfort, guérisse, heals, parce que tu nous l'as promis, Seigneur. Because you promised that to us, Father. Et nous fasse accepter ton pardon. And let us accept your forgiveness. Seigneur, merci. Father, thank you. Pour chacun de nous. For each one of us. Et aussi pour ton serviteur que tu as établi ici. And also for your servants that you have established here. Notre frère Adams. Our brother Adams. Tu l'as gardé, Seigneur. You kept him, Father. Nous le laissons entre tes mains. And we commit him into your hands. Nous prions pour notre frère Pépin. And we're praying for our brother Pépin. À Norvège. Norvège. Et à toute sa famille, Seigneur. And also all his family, Father. Notre frère Destin à Brazzaville et sa famille. Our brother Destin in Brazzaville with his family. Frère Tishik et frère Paul à Kinshasa. Brother Paul at Kinshasa. Père, souviens-toi de la famille de ton serviteur Guido. Father, may you remember the family of your servant Guido. Et de tous tes enfants, Seigneur. And I remember also all your children. Qui remplissaient ces bancs. That were here
on these benches. Bénis frère Jean-Marie, sœur Constance et leur famille, Seigneur. Father, may you bless brother Jean-Marie and all his family, Lord. Tu connais chacun par son nom, ô Dieu. You know each one of us by our names. Tu connais nos cœurs. And you know our hearts. Fais-nous accepter ton amour, Seigneur. Let us accept your love. Nous sommes indignes. We are unworthy. Pardonne-nous. May you forgive us. Aide-nous, Seigneur. May you help us. À aimer ta parole. To love your word. À t'aimer, Seigneur. And to love you, Lord. Que toute la gloire soit à toi. May all the glory be to you. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ. Bénis ta parole, Seigneur. Bless your word, Lord, this morning. Pour ta seule gloire. For your sole glory. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. May the Lord be worshipped. Et qu'il nous bénisse. And may the Lord bless us. Avant de vous asseoir ou de lire la parole, bénissez quelqu'un à côté de vous. So before reading the word, we can just greet one another. Frère Jephté. Brother Jephté. Dieu te bénisse. May God bless you. Amen. God bless you. Mon bien-aimé. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Sœur Ashley, Dieu te bénisse. Sister Ashley, de Luxembourg. God bless you. You're coming from Luxembourg. Et toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. All of you that are listening to us, may the Lord bless you. Alléluia. Wherever you are. Amen. Il est bon notre Dieu. He is good our God. Nous allons lire une écriture. So we're going to read a scripture. Des écritures. Or some scriptures. C'est ça notre nourriture. That's our foods. Jean chapitre 15. John chapter 15. Là, vous êtes dans l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ en personne. So you are in the assembly of the Lord Jesus Christ. Un seul mot de sa part. One word from him. Dépasse des millions, des milliards de mots. Is more than billions of words. Et le diable sait ça. And the devil knows that. C'est pourquoi il fait tout. That's why he is doing all his efforts. Pour que nous éloignions de la parole. To put us away from the word. Amen. Quand vous ouvrez la Bible, so when you're opening the Bible, c'est Jésus qui vous parle directement. That Jesus talking to you directly. Amen. Verset 9. Verse 9. Alléluia. So John chapter 15, verse 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Demeurez dans mon amour. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. May the Lord bless the reading of his word. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Je vois ma sœur qui vient de Tongres. Dieu vous bénisse. I'm saying my sister that comes from Tongres. La sœur Stella, la sœur Nadine. Sister Stella, sister Nadine. Toutes celles, tous ceux qui... Venez ici, all où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. All of you that were coming here, may the Lord bless you. Alléluia. Amen. Nous sommes en voyage. So we are traveling. Comme le Père m'a aimé. As the Father hath loved me. Qui peut douter que le Père ait aimé Jésus? Who can doubt that the Father loved Jesus? Le Père a tellement aimé Jésus. The Father so loved Jesus. Une de vos sœurs. One tu of your crois sister, Marthe ou Marie? I think Marthe or Marie. Dit, je sais tout ce que tu demandes, and je te le donne. She même said, maintenant, I know that everything you may ask, he will give that to you, even now. Le Père l'a tellement aimé. And Amen. The Father so loved him. Que tout ce qu'il demande, that everything that il l'obtient. He asked, he could have it.
Si vous êtes faible, vous êtes malade, vous avez des soucis. So if you are weak, sick, or you may have like some. Le Seigneur Jésus dit. Some sorrows. Il te dit ce matin. The Lord Jesus Christ is saying you this morning. De la même manière que le Père m'a aimé. As the Father hath loved me. Je t'aime. I love you. Amen. 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 Vous l'aimez? Do you love him? Le tout c'est d'accepter son amour. The main thing is to accept his love. Nous allons le Saint-Esprit. For the Holy Spirit. Ami de partager. Put in my heart to share with you. La parole dans le contexte de Pâques. The word in the context of Easter. Nous l'intitulons Vivant, Jésus m'a aimé. So the title may be Living, Jesus loved me. Amen. Vivant, Living, Jésus m'a aimé. Jesus loved me. Et ça va dans le sens s'épuiser, c'est le message que le prophète a prêché. So it has been It has been in the context of the sermon of Brother Branham, the prophet. Vivant. So living. Mourant. Dying. Enseveli. Buried. Ressuscitant. Rising. Revenant. And coming. Il s'est inspiré d'un poète qui avait chanté. So it's inspired from a poet that sang that en song. En 59. In 59. Alléluia. Amen. Vivant. So living. Jésus m'a aimé. Jesus loved me. Jésus m'aime. Jesus loves me. Vous pouvez le dire avec moi. Jésus Can m'aime. Can you say that with me? Jesus loves me. Alors qu'est-ce qu'un démon? Qu'est-ce que le diable? Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire? So what the devil? What a demon? Jésus what someone m'aime. Can do to you? Because Jesus loves you. Dieu m'aime. God loves me. Il t'a aimé tellement. He so loved you. Il t'aime tellement. He loved you so much. Qu'il a produit Jésus. He produced Jesus. Jean chapitre 3 verset 16. John chapter 3 verse 16. Le Saint-Esprit parle dans Jean. So the Holy Spirit is talking through John. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Tant aimé. Tellement aimé le monde. So God so loved the world. Qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Il l'a tellement aimé. So he so loved. Quand on parle du monde, là, so when you're talking about the world, ce sont pas des arbres. It's not trees. Alléluia. Amen. Il t'a tellement aimé. He so loved you. Tu mets au monde, tu mets ton nom. So you are actually, when you have a child, you will give that child your name. Il a tellement aimé Belly. So he so loved Belly. Ah, il entend pas le pasteur Belly. Okay. Il a tellement aimé. So he so Jenny. Loved Jenny. Nico. Nico. C'est avant la fondation du monde. So it was before the foundation of the world. Toute personne qui va naître. Every person that will be born. Dieu l'a vu avant qu'il ne naisse. God saw him before he was born. Il t'a tellement aimé. So he so loved you. Qu'il a produit Jésus. That he produced Jesus. Alléluia. Alléluia. Jésus. So Jesus. C'est l'expression de l'amour. So it's the expression of the love. L'amour. The love. Dieu est amour. Jesus is love. C'est lui qui t'a aimé quand God tu n'étais pas aimable. And he loved you when you weren't lovable. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. So nobody can love you as Jesus. Amen. Alléluia. Amen. La grâce manifestée. So the grace manifested. Alléluia. Amen. Il a vécu pour aimer. So he lived to love. Et personne n'a vécu comme lui. And nobody lived as him. Et personne ne vivra comme lui. And nobody will live like him. Amen. L'homme. The man. Il peut prendre cette Bible. Can take this Bible. Et te tuer. And kill you. La lettre tue. The letter kills.
Il peut prendre les citations de William Branham. He can take the quotes of William Branham. Te frapper, te condamner, and te tuer. To eat you, to condemn you, and kill Mais you. Mais Jésus. But Jesus. Alléluia. Alléluia. Un jour. One day. Une de vos sœurs. One of your sisters. Attrapée en flagrant délit. Was actually, you know, caught in the act. D'adultère. Of adultery. Donc, il n'y avait pas moyen de se défendre. There wasn't any way to defend herself. On l'amène devant Jésus. So they brought her in Chacun front of avait Jesus. Déjà une pierre. And each one of them had a stone. Pour mettre en pratique la loi de Moïse. To fulfill the law of Moses. La Bible. The Bible. Faut le livrer au diable. You have to cast him to the devil. On le traînait là. So they were actually dragging her. Seigneur. Lord. Maître. Master. Cette femme, pas de doute. That woman. Regardez no tous doubt. Les témoins. All those witnesses. Moïse a écrit, voici le verset, elle doit mourir. Moses wrote this. This is the verse, she must die. La parole. The word. Écrite. Written word. Mais But, ce qu'ils n'avaient pas compris, what they didn't understood, c'est qu'en ce moment-là, so, at that ils étaient moment, en présence de la grâce. They were in front of the grace. Vous êtes comme vous et moi. So you and I, nous sommes comme cette femme-là. We are like that woman. Pouvez-vous vous souvenir? Can you remember? Si vous prenez la loi de Moïse, if you take the law of Moses, combien de fois vous seriez lapidé? So how many times you will be stoned? Et des mensonges, because et of des your calomnies, lies, because of your et bad des mouthing, critiques, or critics, et des mensonges, lies. Combien de fois? How many times? Alléluia. Amen. L'amour de Dieu que nous avons chanté ici. So the love of God that Vivant, been il here. M'a aimé. Living, he loved me. Maître, que dis-tu? Master, what do you say now? Ordonne qu'on le lapide. Just ordain that qu'on you can stone her. Le maître écrivait. So the master was writing. L'écrivait. He was writing. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait. I don't know what he was writing. Mais un prédicateur, quelqu'un a dit. But a preacher. Peut-être il écrivait leur nom. Was actually writing, a preacher said that maybe Toi, he was writing the names. Toi, hier, tu as fait ça. Il regarde. Ah, you, yesterday, la pierre you did tombe, this. Il s'en va. He can, you know, just Et tous sont partis. Go away. And all of them went away. Parce que c'était la fontaine d'amour. Because it was the fountain of love. Elle restait là. So she stayed there. Des femmes. Women. Personne te condamne. And he said, woman, nobody is condemning you anymore. Non, Seigneur. No, Lord. Moi aussi, je ne te condamne pas. I condemn you neither. I don't Ça, condemn c'est you. La grâce qui s'élance. So this is the grace. Mais regardez la grâce. Amen. So see at the grace. Ne mettez pas un point là-bas. Don't put a dot there. Full stop. Va. Go. Et ne pêche plus. And don't sin anymore. Voyez. Amen. L'équilibre de la grâce. The balance of the grace. La grâce t'a sauvé. So the grace saved you. La grâce ne te condamne pas. So the grace doesn't condemn you. Mais ne va plus piétiner cette grâce. But don't go away and walking on this grace anymore, stepping this grace anymore. Nous sommes ici bien-aimés. So we are here, beloved. Pour nous préparer à l'enlèvement. To prepare ourselves for the rapture. Jésus vient. Jesus is coming. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en 1959 quand le prophète prêche ce message. So we are in 59 when the prophet is preaching this message. Mettons d'abord, écoutons ce qu'il dit dans cette prédication, vivant, mourant, au paragraphe 3. So we are hearing what he's saying in this sermon, living, dying, in paragraph 3. Aux techniciens, aux interprètes, j'avais dit que nous ne lirons qu'une citation à la fin. So I said that. On prépare ces choses, mais le Saint-Esprit les conduit. Alléluia. Amen.
Paragraphe 3. Paragraph 3. Après son retour. After his return. Aujourd'hui, j'ai pris ça au milieu. So today, aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité, we stand today in the dans darkness, un chaos, in a chaos, où d'une minute à l'autre, that when most anytime, un fanatique pourrait se mettre en colère au sujet de quelque chose, that some fanatic might just blow up about something, et tourner un petit bouton, and turn a little button, et alors le monde entier volerait en éclats. And the whole world could be blown into bits. Les autorités en la matière nous ont dit que si nous devions avoir une autre guerre, as it has been told us by great authorities that the war, celle-ci ne durerait que quelques heures, that the war will only be a few hours long if it ever happens again. Oh, tandis que nous sommes aujourd'hui tout au bord d'une autre guerre, as we're standing today on the very brim of another war. L'Église se tient au bord de cette glorieuse résurrection. Then the church is standing on the brim that most glorious resurrection. Car nous serons enlevés ensemble avec les saints qui dorment. Amen. For we shall be caught up together with the sleeping saints. À la rencontre du Seigneur dans les airs. To meet the Lord in the air. Pour être toujours avec lui. And forever be with Alléluia. Him. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui le dit là? Who is saying that? Malachi 4. Malachi 4. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. À travers le prophète de l'âge. Through the prophet of the age. Quand ceci sort. When this is coming out. Le diable entend. The devil is hearing that. Il n'est pas content. And he's not happy. Il sait. He knows. Que si vous restez attaché à ça. That if you stick with that. Vous lui avez échappé pour toujours. You escaped him. You escaped from him forever. Alors il doit embrouiller ça. So he has to mix that up. Pour séduire. To deceive. Dieu envoie le prophète. God sent a prophet. Pour produire un son clair. To produce a clear sound. Alors le diable. So the devil. Il crée des situations. He will create some situations. Pour que les gens fuient même le prophète. So people will flee away from the prophet. Amen. Ou ne l'écoutent plus. Or they will listen to him anymore. Ça a toujours été ainsi. It always has been like that. Alléluia. Amen. Amen. Soit il crée ses propres prophètes. He will create his own prophets. Comme au temps de Jézabel. Just in the time of Jezebel. Il en a créé 800. He created 800 of them. 400. 400 of bien them. Bien payés, nourris. Really well paid, really well fed. Prophétisant toujours le bien du roi. Prophesizing always the good of the king. Mais il y avait un seul prophète. But there was only one prophet. On l'a mis au cachot. They put him in jail. Parce que lui ne prophétise que ce que Dieu dit. Because he was prophesizing always what God said. Et ça ne plaît pas au roi. And it didn't please the king. Vous êtes là? Amen. Dieu a envoyé William Branham. And God sent William Branham. Pour nous préparer à cette chose ici. To prepare us for this thing. Avant que les bombes ne frappent. Before the bomb go down, que l'épouse soit enlevée. The bride will be raptured. Amen. Pendant que je me réjouissais de ça. So as I was rejoicing reading those hier, things. Hier je vois sur YouTube là. I saw on YouTube. Quelqu'un qui sait plus à mettre quelque chose. Somebody that just put something. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Il dit cachez-vous. And I don't know if someone, some of you actually saw that. Alors, il a aligné les différents missiles. So he aligned. He talked about different Russian rockets. Il leur a donné des noms. So he gave them some names. Moyen. So and this is the middle one, the mid one. Il met moyen. Middle the. Si vous vous cachez au sud de la France, vous êtes mort. So if you go hide yourself in the south of the France, grand, you will be dead. Si vous vous cachez au sud de l'Afrique, vous êtes mort. So it was a greater one. If you go hide in Africa, et you will be monte dead. Comme ça. So he was going higher and higher. Il dit légendaire. So legendary missile. Au bord des États-Unis, vous êtes mort. So if you go hide yourself in the United States, you'll be dead. Il donne des noms. So he was giving some names. Et puis il met
Tsar Bomba. So, and then at the end, he talked about Tsar Bomba. Ça existe, c'est entreposé. So those bombs actually exist. Avec un nom de chaque ville. With the name of each city. Et ici aussi. And here also. Il y en a avec des noms de chaque ville là-bas. There are also bombs with the name of some cities. Et puis il met. So he puts. Et je ne sais pas quel nom il a donné là. So he actually gave another name for another ultimate bomb. Rocket. So it was like the ultimate rocket. Stratosphère. So it can go through the stratosphere. Même si tu te caches sur Jupiter, tu es mort. Even if you go hide yourself on Jupiter, you'll be dead. So there, they will be dead. Aujourd'hui, ils creusent pour se cacher. So today they are digging to hide themselves. Mais la cachette, c'est en Jésus Christ. The hiding place is in Jesus Christ. Vivant, il m'a aimé. Living, he loved me. Oh, j'aime bien cet amour. I really love that love. Est-ce que vous l'aimez? Do you love him? Merci, Seigneur Thank Jésus. You, Lord Jesus. Rentrons dans Jean 15. So we are going to go back in John 15. Il nous est dit de demeurer. He said to us to dwell. Demeurer dans mon amour. Dwell in my love. Demeurer, c'est rester là où la personne vous a laissé. Dwelling is staying wherever the person let you. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous m'aimez. And the Lord is saying, if you dwell in my words, so you are loving me. Alors quand je parlais des astuces du diable, so when I was talking about the strategy of the devil, un message si clair, si pur. So a message so clear, so pure. Venu à travers un serviteur humble. That came from a humble servant. Pauvre. Poor. Le diable a regardé. The devil looked. Il sait par quoi il attrape les gens. And he knows by what he can catch people. Il le teste avec les femmes. He will test him with some women. L'ange de l'Éternel est là. And the angel of the Lord was there. Qui protège son vase. Protecting his vessel. Frère Branham dit. And the Lord Branham could say. Quand il avait des petites amies. He had some girlfriends. Mais quand il voulait sortir, aller jusqu'au bout. But when he went to go too far. Il entend. Oh, shh, and he could hear some shh, voice. Shh, shh. Un jour, une de ses petites lui dit. So, one day, a girlfriend said to him, "Oh, you can smoke a cigarette." Alors, et c'est ça le diable. And that is the devil. Il vous offre une cigarette. He will offer you a cigarette. Mon meilleur ami. Oh, my best friend. Ma meilleure copine. Oh, my best friend. Mais c'est le diable. But that's the devil, actually. Tu vas te dire, mais... You will say, oh... On ne doit pas voir que je suis timide. Oh, I don't want to c'est be comme ça que les gens a shy person. So that's how the people actually start smoking. La cigarette, smoking. Elle n'est pas sucrée, elle n'est pas bonne. So, the cigarette isn't actually sweet. Alors, frère Branham dit aussi, je vais quand même, il ne faut pas... And Brother Branham said to himself, il essaie oh, de do prendre that. L'ange s'interpose. So he tried to take that and the angel came in the way. Il laisse tout là. So he put everything aside. Et la copine et tout le monde and the girlfriend se met à rire. And all of them start laughing. Tout le mouillé. Oh, you are Sisyphus. Imaginez. So just imagine. Vous voulez sortir. You want to go out. Allez, je sais pas, c'est chez Quick McDo ou bien going restaurant. At McDonald's or some restaurant. Une voiture bien comme des jeunes. Or a good car like young ones are Tout driving. Tout le monde s'est moqué de lui. So everybody laughed at him. Il est rentré à pied en pleurant. And he returned home by foot crying. Dieu prépare son vase. And God was preparing his vessel. Le diable a échoué là-bas. And the devil failed there. Quand maintenant le Seigneur a commencé à l'utiliser, and when the Lord was starting, using him, son propre père, his own father, devant ses amis, in front of his friends, un de ses amis, one of his friends, mesure de whisky. Oh, you can take some whiskey here. Il essaye. Son papa dit, Henry. J'ai levé une poule mouillée. Or his father said, "Oh, I raised up a Sisyphus." Entendre ça de la part de mon père. So hearing that from his father. L'autre dit, "Mais prends." And the other one said, "Un Branham qui ne prend pas." Just take that whiskey like every other Branham. Il essaye. Oh, so he started. L'ange est là. And the angel came in the way. Pour vous. For you. Pour que vous entendiez un jour un message pur. So you can hear a clear, pure message le one diable day. A échoué. And the devil failed.
Et le diable a continué. And the devil continued. Pour l'élever maintenant. In order to raise him. Tu sais que c'est toi qui es Dieu. Oh, you know that you are God. C'est toi qui es le Messie. You know that you are the Messiah. Et vous avez écouté la prédication Apocalypse chapitre 5, and le serpent écrasé. And you hear the sermon in Revelation chapter 5. Au lieu de se réjouir comme tout le monde aujourd'hui. So, instead of rejoicing as everybody today. Les gens payent. People are paying. Ils payent les gens. They are paying people. Pour créer des faux miracles. To create false miracles. Mais lui, il a dit, but ma maison est à vendre. Je ne veux pas entendre parler de ça. Il a pleuré. He cried out and he didn't want to hear about it. Mais cet esprit continue. But that spirit is pourquoi? Going on. Why? C'est un esprit. It's a spirit. Les gens vont dire, les gens du message, ils sont embrouillés. People from the message, people can say, oh, people in the message are. Certains prédicateurs vont dire, ne citez plus Branham, sinon les gens vont l'adorer. Non. And some preachers are actually forbidding people to talk about Branham. Ceux qui doivent l'adorer. And because people might actually adore him. Pour but that's la false. Perdition, l'adoreront. So those who will adore him. Mais cela ne him. Doit pas nous empêcher de dire qu'il a dit ça. But that cannot actually stop us from voyez saying le that piège. He said that. Voyez le piège. You see the trap. Alléluia. Amen. Jésus. So Jesus. Depuis que j'avais dit Jean 15. So I talked about John 15. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Nous sommes dans l'amour du Seigneur. We are in the love of the Lord. Amen. Demeurez dans mon amour. Dwell, abide in my love. Verset 10. Si vous verse gardez 10, mes commandements, if you keep vous my demeurerez dans mon amour. You shall abide in my love. De même que j'ai gardé des commandements even de mon as Père, I have kept my Father's et que je demeure dans son amour. And abide in his love. Un jour, le diable, so one day the devil, il est venu. He came, si tu es fils de if Dieu, you are really the son of God, si. If. Le diable commence par des raisonnements. The devil comes with il veut te communiquer son doute. He wants to share his doubts with you. With si you. Tu es fils de Dieu. If you are really son si of God. Tu es fils de Dieu. If you are the son of God. Et la parole le frappait. And the word was striking him. Quand la him. Parole frappait, il reçoit un coup. And when the word was striking him, he received a et punch, puis, a hit. Maintenant, lui aussi entre dans la parole. So and him also was entering the word. Il est écrit. It is written. Qu'il va envoyer des anges. He will send some angels. Si tu sautes, if you jump, de ce temple, from this temple, le diable veut l'exposer en vedette. And the devil want to expose him as a star. Et le Seigneur répond. And the devil answers. Il est aussi écrit. And the Lord answered. It is also written. Alléluia. Amen. Voyez la bataille. So see the battle. Même avec le message. Even in the message. Même avec la Bible. Even with the Bible. Gardez l'équilibre. So keep the balance. Alléluia. Alléluia. Demeurons. Aimez abide. Dieu, aimez cette parole. So loving God is loving this word. Merci Seigneur. Thank you. Je Jesus. Vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. These things, que votre joie soit parfaite. Have I spoken unto you mon that frère, ma soeur, my mon joy fils, ma fille angoissée. So my brothers, sisters, Dieu and dit, soyez toujours joyeux. All of you, God is saying to you, be always ce happy. Ce qui vous manque, what is missing you? Dieu le sait. God knows that. Il le comble. And he will. Et qu'est-ce qu'il dit? That. And what il is saying? Il donne au-delà de ce que vous demandez ou vous pensez. He will give you exceeding whatever qu'est-ce you ask. Qu'est-ce qu'il vous dit dans son whatever amour? You are thinking. What is said in his love? Toutes choses concourent à votre bien. Everything works together for au your bien good. De ceux qui aiment Dieu. For the good of those who love the Lord, love il y a God. Une cité qui vous attend. And there is a city waiting for you. Merci Seigneur. Thank you Lord. Vous l'aimez. Do you love him? Vous gardez ses commandements. You keep his commandments. La Bible dit ses commandements ne sont pas lourds. And the Bible is saying that his commandments aren't heavy. Quand vous aimez quelqu'un, when you love someone, vous êtes toujours prêt à faire du bien. You are still ready to do some good to that person. Même à faire
terrible, même s'il fait très chaud, even if it's really hot, le papa va travailler. And the dad is going to work. Parce qu'il aime son bébé. Because he loves his baby. Son petit bout de chou. See, his sweetheart. Même sous la neige. Even on the snow. Il est là à conduire des camions ou des bus. He's there like driving some bus. Et ce n'est pas dur. And it's not hard at all. Parce que c'est l'amour. Because it's love. Venir à l'église, c'est par amour. Coming to church is by love. Ne pas faire ce que le monde fait. Ce n'est même plus, on n'y pense même not plus. Not doing what the world is doing is, we are not thinking about it. It's just by love. C'est ici mon commandement. So, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. So, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. L'amour n'existe que au milieu des véritables chrétiens nés de nouveau. So the love exists only among the true Christians, born again Christians. Quand vous n'êtes pas né de nouveau. So if you're not born again. Pour la gloire et la popularité. So for the glory of. Et l'argent. And for the money and for vous popularity. Vous allez vous conduire comme les politiciens. You are actually to conduct yourselves as politicians. Les politiciens. Amen. Et les hommes. The politicians and men. Ça, je vais dire maintenant. So what I'm going to say quand now, je dis les hommes d'affaires. So when I'm saying the ce business ne sont man, pas tous les hommes d'affaires. So it's not the good businessmen. Ce ne sont pas tous les commerçants. It's not all the businessmen. Mais il y en a qui sont prêts, frère Branham dit qu'ils sont prêts, même les juifs, prêts à vous rouler dans tout ce que vous faites comme affaire avec lui. So Brother Branham is actually saying that there are some bad actually businessmen that are ready to arnaquer, to mais l'amour chrétien. To rob you in the business you're aimez doing with them. Aimez-vous les uns les autres. So the Christian love il is to love. Il vient un temps, vous le voyez déjà. So you are seeing that already. Comment la méchanceté règne. When the wickedness is actually there. Comme au temps de Noé. Just like in the time où of Noah. Où Dieu s'est repenti. When God even repent himself for creating man. D'avoir créé l'homme. For creating man. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pouvez-vous réjouir? So can you rejoice? Que vous êtes l'ami de Jésus. You are the friend of Jesus. Vivant, il m'a aimé. Living, he loved me. Comme mon père. Just like my father. Comme mon époux. Just like my groom. Mon ami. And just like my friend. Mon vrai ami, c'est Jésus. My true friend is Jesus. Alléluia. Amen. Et il continue. So and it's going on. Vous êtes mes amis. Ye are my si friends. Si vous faites ce que je vous commande. If you do whatsoever je I ne vous appelle you. Plus serviteur. Henceforth, I call you not servants. Il vous donne une position. So he's giving you a position. À celle des anges. A higher position than Gabriel the angels. Gabriel va faire ça. And Gabriel can be there. Va go faire there. Ça. Michael, va go faire there. Alléluia. Go there. Mais toi, but you, tu es la reine. You are the queen. Alléluia. Come here. C'est ainsi que Jean pouvait venir. And John could come. Mettre sa tête sur l'épaule du maître. And put his head on the shoulder of the master. Vous pouvez sentir cette amitié du Seigneur Jésus. Can you feel that friendship of the Lord Jesus? L'ami qui ne vous trahira jamais. The friend that will never betray you. Ce n'est pas vous qui je vous ai appelé. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. So henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Alléluia. Amen. Il est le mystère. So he is a mystery. Dieu est mystère. God is a mystery. Vous ne pouvez pas dire non, je ne veux pas apprendre. Non. You cannot Dieu say, oh, est I don't mystère. Want to learn. No, God is a mystery. Jésus était là. So Jesus was there. Lui le Messie. Him the Messiah. Il guérit. He could heal. L'aveugle né. The blind. Les pharisiens l'apprennent.
And the Pharisees can could learn that Bible, with their Bibles. Ils l'appellent. And they could call him. Donne gloire à Dieu. Oh, give all the glory to Est-ce God. Est-ce que tu es né aveugle? Are you born blind? Il dit oui, je and suis né aveugle. The man say, yeah, I was born blind. Qui t'a ouvert les yeux? And who opened your eyes? L'homme qu'on appelle Jésus. The man called Jesus. Mais regardez. So now, look. Il tourmente ce garçon. So they start bothering that boy. Il était aveugle. He was blind. C'est-à-dire, il n'a jamais été à l'école. So he never went to school. Même à la crèche. He never went to the kindergarten. Pour apprendre une page de la Bible. To read like even a page of the Bible. Mais il dit à ces docteurs de la loi. But he said to those teachers of the law. Il dit. And he said, ça m'étonne que vous ne connaissiez pas d'où il vient. And I'm actually astonished that you don't know where he's coming from. Et je n'ai jamais appris qu'un démon ouvre les yeux d'un aveugle. And I never learned that a demon could open the eyes of a blind man. Il a été connecté à l'amour de Dieu. So he was connected to the love of God. Il dit, il a fait de la boue, il m'a mis aux yeux, il m'a dit, va te laver. He made some mud and he Et put on my eyes and he said, vois. Go wash yourself. And now I can see. Le Seigneur ne nous demande pas de maîtriser, de réciter le message de la Bible, de croire. So the Lord is not asking us to recite the old Bible, etc. He's asking us to believe. C'est que tu as entendu, reçois-le, ouvre ton cœur. Receive that and open your heart. La cigarette va s'arrêter, la boisson va s'arrêter, drinking will stop. L'impudicité va s'arrêter, lusting will la stop. Colère va s'arrêter. All your anger will stop. Tu vas seulement constater que la chose est morte. You'll just realize that the thing is dead. Amen. Parce que Jésus t'a aimé. Because Jesus loved you. Alors regardez. So look now. Maintenant ils se disent entre pharisiens. So they were talking between themselves, Pharisees and Sadducees. Ils se disent. They were talking themselves. Mais consultez bien les Écritures. So search the Scripture well. Vous verrez que de la Galilée. You will see that from Galilee. Ne vient pas un prophète. A prophet cannot come from Galilee. Ils ont dit oui, oui. So they say yes, yes. De la Galilée, il n'y a pas de prophète. So from Galilea, there isn't any prophet. Mais ils n'ont pas eu la révélation sur l'Écriture qui disait Bethléem, Bethléem, ou qui disait qu'il serait appelé Galiléen. So they didn't know the Scripture that was saying that the man will be called a Galilean. Alléluia. Amen. Vous recevez cet amour. So do you receive that love? Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Il est amour. He is love. Il t'a aimé. He loved you. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. And he said there is no greater love than to give his life Et for his friends. Et c'est vous par amour And pour vous. And it's for the love of you. Qu'il a été mis à la croix. That he was put on the cross. C'est vous. It's for ne you. Regardez plus les Romains, vous dites les Romains étaient méchants. Don't look at the Romans saying that they were wicked. No, it's les for Romains, you. Les Romains c'était des instruments. So the Romans was actually were Parce actually qu'il fallait tools. Qu'il meure. Because he needed to die. Et en mourant, qu'est-ce qu'il a fait? And by dying, what he Alléluia. What did he do? Merci Jésus. Amen. En mourant. Jésus mourant, il m'a sauvé. So dying, Jesus Gratuitement saved me. Et pour toujours. Freely forever. En mourant, dying, il m'a sauvé. He saved me. Vous avez payé quoi? So what did you pay? Vous avez payé quoi? What did you pay? Rien du tout. Nothing. Et si vous devriez payer? So if you could pay. Aujourd'hui, même un lapin, vous ne savez pas acheter. So you can even buy a rabbit Mais today. Là, il fallait tout le temps des vaches, des boucs, des agneaux, tout le temps. So back in those days, you had actually to buy Et qu'il some vous goat, donne pas la vie. Some lamb, etc. And those things weren't actually giving life. Alléluia. Amen. En mourant, il m'a sauvé. And dying, que le Saint-Esprit mette ça en nous. So let the Holy Spirit put that in us. En vous. In you. Même si vous êtes seul en Belgique. Even if you're alone in Belgium.
On ne veut plus entendre quelqu'un qui parle de Jésus ni de, du message. So they don't want people talking about Jesus and talking vous about the message anymore. Vous êtes là avec lui en vous. So you are there with him in you. Qu'il est mort pour moi. He died for me. Il m'a sauvé gratuitement. He saved me freely. Ésaïe 53. Isaiah 53. Chaque acte de Jésus accomplissait une écriture. Every act of Jesus was fulfilling a scripture. Tout Ésaïe 53, vous pouvez lire à la maison tout le chapitre. So vous Isaiah retrouvez 53, là ce que Jésus est pour vous. All the chapter you can read that at home and you can find yourself there and what Jesus is for you. Alléluia. Alléluia. Mourant, il m'a sauvé gratuitement. Dying, he saved me freely. Qui peut vous sauver? Who can save you? Aucun ange ne peut vous sauver. No angel can save you. Le salut dont nous parlons, then the salvation we're talking about, c'est la vie éternelle. It's the eternal life. Quoi que nous fassions, la vieillesse nous atteint, nous mourons. So whatever we can do, we are growing old and then we're dying. Nous voyons que nous mourons. So we are seeing mais that we are dying. Mais le chrétien ne meurt pas. But the Christian doesn't vous die. Vous ne connaîtrez jamais la mort. You will never know death. Quand c'est terminé pour vous, when it's over for you, hallelujah, amen, vous allez sentir, même si vous étiez malade, even comment, if you were sick, so sick, vous allez sentir you la will feel the presence of the Lord. L'ange qui vient vous prendre. The angel coming to take you away. Ce jour-là est devant chacun de so nous. So that day is in front of vous all of sentez. You. Vous le sentez. La douleur s'arrête. That. And that's the pain will stop. Vous voyez votre nouveau corps. And you are seeing your new body. Et puis vous sortez. And then you are going out. Vous entrez dans ce tunnel. You are entering that tunnel. Vous voyez vos bien-aimés. You are seeing your loved ones. Alléluia. Amen. C'est une réalité. This is a reality. La mort. Death. Vous ne connaissez pas. You don't know death. Merci Seigneur Jésus. Thank you Jesus Christ. Ésaïe 53. So Isaiah 53. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? So what the Holy Spirit is telling us. Des centaines d'années bien avant. So hundreds of years before. Le Saint-Esprit a montré Jésus. The Holy Spirit showed Jesus. Verset 6. Verse 5. Mais lui, il était blessé pour nos péchés. But he was wounded for our transgressions. Bon, j'ai une version un peu. I have a different version. À cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. He was bruised for our iniquities. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. The chastisement of our peace was upon him. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. And with his stripes we healed. Nous étions tous errants. All we like sheep have gone astray. Comme des brebis égarées. Amen. Chacun suivant sa propre voie. We have turned everyone to his own way. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. And the Lord à has tous laid on him the iniquity of us all. Alléluia. Amen. Voyez comment les gens sans Dieu marchent. So see how the people without God are walking. Quand nous étions païens. When we were pagans. Chacun s'invente un dieu. So each one of us can invent himself. Il se fabrique un dieu. Manufacturing Dieu n'a jamais conduit son peuple comme ça. So God's never led his people like that. Il y a toujours un berger. There is always à toutes a les shepherd époques de la vie. In every age il y a toujours quelque part où la vérité est. There is always somewhere where is un where témoin. The truth lays. A witness. C'est Jésus. Is Jesus. Et Jésus envoie ses serviteurs. And Jesus sent his servants. Et des véritables serviteurs. And true servants. Ne vous amènent pas à eux. Won't actually lead ne vous amènent them pas à une église. They won't lead you mais to a ils church. Vous amènent à Jésus. They will lead you to Jesus. Alléluia. Amen. Et nous étions là éparpillés. And we were there scattered. Qui a, adorant Zeus, qui Jupiter, qui un arbre, Zeus and Jupiter, qui and son trees, corps, and etc. Et il a choisi Jésus. But he chose Jesus. Toutes les fautes sur lui. And every of tous our, les péchés all, sur lui. All our sins and all our iniquities et upon il a him. Été mis au tombeau. And he was put on the grave.
pour toi et moi. For you and I. Il a porté nos fardeaux. So he carried our burdens. Il a porté notre culpabilité. He carried our guilt. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Nous étions tous, il n'y avait aucune possibilité de voir Dieu. There wasn't any possibility for us to see God. Prenons Romains 3, 23. We're going to take Romans 3, 23. Car Romains chapitre 3, verset 23. Romans 3, verse 23. Ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. For all have sinned and come short of the glory of God. Alléluia. Amen. Donc personne ne pouvait être sauvé. So nobody could be saved. Depuis Adam. Since Adam. Tous ont péché. They all sinned. Sans le sang. Without the blood. Même un bébé qui mourait devait mourir. Il ne pouvait pas être sauvé. Even a baby dying couldn't be saved. Mais il fallait le sang. So the blood was needed. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu leur a donné. So this is why God gave them. De faire le sacrifice du sang. To do the blood sacrifice. Le sang des taureaux. The blood des of bulls and goats. Des agneaux. And the lambs. Et Jésus est venu mourir pour toi et moi. And Jesus himself came finally to die for you. Comme and I. L'agneau d'Abel. As the lamb of Abel. Quand le prophète dit que chaque verset que tu lis, tu vois Jésus. And when the prophet is saying every verse you're reading, you are seeing Jesus. Déjà au jardin d'Éden, le sang devait couler. Starting from the Garden of Eden, the blood needed to be shed. En Égypte, c'était le sang. And in Egypt, the blood à needed to be shed. À travers le désert, le sang. Through the desert, toujours the blood. Toujours le sang. Always the blood. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était le sang des bêtes. So it was the blood of some beasts. Ce sang ne pouvait pas vous donner la vie. That blood couldn't give life. Alléluia. Amen. Il fallait le sang d'un innocent. So the blood of an innocent was needed. Merci Jésus. Amen. Thank Un you, Jesus. Parent rédempteur. A kinsman redeemer. Merci Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Et c'est pourquoi nous chantons, nous avons un merveilleux So this is why we are singing. Sauveur. We have a wonderful Quand Savior. Quand nous chantons, vos frères qui méditaient sur ça, ils pouvaient composer des cantiques. So your Quel brothers sauveur that were meditating upon them, possède, write some songs. Il a wonderful Savior sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Ô mon sauveur, il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Alléluia. Pour vous. For you. Pour vous. Pour moi. For you. For you and I. Amen. Amen. Jésus devait mourir. Jesus needed to die. Dieu. God. Pour vous et moi. For you and I. Pour vous sauver. To save you. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? So what will happen? Pour qu'il présente ce sang. So in order for him to present that blood. Jésus, qui n'a jamais commis de péché. Jesus that never committed a sin. C'est qu'aucun homme ne peut dire. That's and nobody can actually say that. William Branham mené par le sexe. William Branham was born through sex. Et il dit qu'il a commis des péchés. And he said that he has committed some sin. Et son salut, c'est
Jésus. And his salvation was through Mais Jesus. Il y a un, il fallait qu'il y ait un qui vienne. But one needs actually needed to come. Dans cette chair. In this flesh. C'est dans cette chair que vous péchez. So it's with this flesh that you're sinning. This flesh. C'est cette chair. So it's with this flesh. À qui on veut faire plaisir? That we are willing to do. Jésus est venu dans cette chair. So Jesus, to lui qui n'a jamais commis de péché. God actually came in this flesh. He never committed a sin. Il pouvait regarder tout le monde. He could look at everybody. Qui de vous me convaincra de péché? Who actually among you can actually say that I've committed a sin? Jésus, quand il parle, il ne dit pas ainsi dit Jéhovah. Now, when Jesus was talking, he wasn't saying. Il dit en vérité, je vous le dis. And he could say, truly I say to you. William Branham, quand il parle, il dit ainsi dit le Seigneur. William Branham talking was saying, thus saith the Lord. Et même qu'il doit être dans un état où il ne sait pas exactement ce qui se passe, donc il est des côtés pour que le Seigneur parle. He actually has to be in some states, like he had to put himself aside when and the Lord was talking through him. Ça nous aide à bien voir la chose. So that's actually help us to see the real thing. Jésus à la croix meurt. Jesus in the cross, on the cross was dying. Et Psaume 22. And Psalms 22. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Father, Father, why have you forsaken me? Parce que si l'esprit restait toujours comme ça, il ne mourrait pas, il fallait qu'il meure. So if the il fallait qu'à un moment l'esprit se détache. He couldn't die, the spirit has to go away. Quand il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? When he was crying out, Father, Father, why have you forsaken me? Les pharisiens se moquent. And the Pharisees was actually laughing at him. Ils ne voyaient même pas que c'était Psaume 22 fait chair. They couldn't even see that it was Psalms 22 actually being made flesh. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? So what was happening? Pour vous sauver, me sauver. What happened to in order to save you and to save me? Nous allons le voir. We are going to see it. Dans Lévitique, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. According to the law of Moses. Quand Moïse a reçu la loi, when Moses received the law, il l'a donné au sacrificateur Aaron. He gave to the high priest Aaron. Des ordonnances. Some commandments. Pour le sacrifice du péché. For the sacrifice of the sin. L'agneau. So the lamb. C'est le symbole de la pureté. Was a symbol of the purity. Amen. Mais. But. Il y avait aussi le bouc. There was also the goats. C'est-à-dire quand Jésus est à la croix. So when Jesus was on the cross. Il sait. He knows, avant de venir que nous venions au monde, before us being born, ce jour-là, that day, mon fils Yambu Corneille naîtra. Yambu Corneille will be born. Avant de recevoir cette parole, il fera ça et ça. And before receiving his word, he will do il this and that. Il a porté sur lui ce péché. So he carried that mon on him. Mon fils Antoine my naîtra. Son Antoine will be born. Tout ça sur lui. And everything. Upon him. Donc Jésus devient péché. So Jesus became sin. Il devient bouc. He became a goat. Alléluia. Amen. Il devient le bouc. Prenons dans Lévitique. So we are going to take in Leviticus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Amen. Lévitique chapitre 16. Leviticus chapter 16, I think. Lévitique. Leviticus. Je vous donne le contexte. So I'll give you the context. Il y avait deux boucs. There was two goats. There were two goats. Le bouc vivant. So the living goat. Donc les deux boucs vivants. So those living goats. Aaron le sacrificateur. Aaron the high priest. Devait tirer au sort. He actually needs to cast
cast a lot. L'Éternel lui dit, and the Lord was parmi saying to les him, deux boucs, between the two goats, il y a le bouc de l'Éternel. There is the goat of the Lord. Et le bouc d'Azazel. And the goat of Azazel. Quand vous lisez tout ça, so when you are reading vous all devez that, voir Jésus, ils sont des types. You have to see Jesus, those are types. Et l'Éternel dit à Aaron, and the Lord said to Aaron, maintenant, quand le peuple vient, now, when the people will come, il confesse ses péchés. Confessing their sins. Amen. Et le bouc de l'Éternel, and the goat of the Lord, est sacrifié. Is sacrificed. Ce bouc qui n'a pas péché. That goat that didn't actually sin. Il est sacrifié. He is sacrificed. Vous prenez le sang, and you will take the blood, de ce bouc, of that goat, vous aspergez, and you will sprinkle, au peuple, on the people, et vous prenez le bouc d'Azazel, and you will take the goat of Azazel, le bouc qui est resté vivant, the living goat. Comprenez bien le type. Amen. So understand the type well. Et vous priez tous les péchés. And you will pray. Vous so mettez all, vos mains sur ce bouc. You will lay your hands upon that goat, and you will pray. Vous connaissez l'expression en français que il cherche un bouc émissaire. So do you know the French expression that says a bouc émissaire in English it's a scapegoat. Quand ce pauvre bouc a porté tous ses péchés, il y a déjà un qui est mort. So when that goat actually carries all those on sins, on lui met le sang de tous ces pécheurs là. So they will put on him the blood of all those sinners. L'Éternel dit vous le chassez. And the Lord will I said that you will cast him away. Vous le chassez. Il y a quelqu'un qui devait le poursuivre, le chasser jusqu'à ce qu'il se perde dans le désert. So somebody has to follow him and to chase him until he will get lost in the le desert. Le bouc d'Azazel. So the goat of Azazel. Alléluia. Amen. Vivant, il m'a aimé. So living, he loved mourant, me. Mourant, il m'a sauvé gratuitement. Dying, he saved me freely. Il est devenu péché. And he became sin. Le bouc, ce n'est plus l'agneau là, c'est le bouc maintenant de l'Éternel sacrifié. So it's not the lamb anymore, it's now a goat. Il asperge son sang. So he sprinkled his blood. Enseveli maintenant, on doit l'enterrer. So buried, we have to bury him. Quand on l'ensevelit, Jésus enseveli. So when they bury him, Jesus buried. Vos péchés sont enterrés. So your sins has been le buried. Le bouc d'Azazel est parti. Ce so bouc là ne reviendra plus jamais en Israël. Won't go back in Israel anymore. Vos péchés, vous vous souvenez même de vos péchés. So you can remember your sins. Mais ils sont perdus dans le désert. But those sins are actually lost in the desert. Alléluia. Amen. Enseveli, buried, il a emporté au loin mes péchés. He took away my sin. My oh, sins. Tu as fait ça. Non, oh, you have pas. Done this. No, I non, never frère did that. Robert, tu as fait. Oh, but Robert, non, you actually ce did Robert that. Là est mort. No, that's Robert. Ce n'est pas moi. He's dead. It's not il me anymore. Il y en a qui veulent toujours vous coller encore les péchés. Non. So, the devil wants to just, you know, remember you. Quand sins. Le bouc d'Azazel partait, so when the le goat peuple of Azazel was léger. Going away, même celui qui a volé hier, il est léger. Il sait qu'il like, est agréable à l'Éternel. Pourquoi so the people was becoming light ce que l'Éternel a demandé. Because they have fulfilled what the Lord il asked. Il l'a emporté de loin. So he took those sins away. Il les a amenés où? He took them where? Il les a jetés où? He just threw them away. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Thank you Jesus. Merci mon Dieu. Thank you Jesus. Thank you, tu God. Es merveilleux. You are wonderful. Et dans Michée, and in Micaiah, dans Michée, il dit, and in Micaiah, he's saying, il a jeté vos péchés dans la mer, au fond de la mer, c'est la mer de l'oubli. So he actually thrown your sins in the sea of forgetfulness. Alléluia. Amen. Bon, vous pouvez prendre les références et vous allez, you can take the references allez les voir qu'on avance. Moi, ça me fait du bien. So it makes me j'aime partager ça avec vous. I like to share that with you. Amen. Amen.
Donc le bouc, les deux boucs c'était dans Lévitique. So the two goats were in Leviticus. Vous savez, quand vous méditez cette parole. You see, when you are meditating upon this word. Bon, j'avais dit Lévitique 16, je ne vous ai pas donné le. Leviticus 16. C'était au verset 8, ce que j'ai dit. Verse 8. Et au verset 20. Prenons verset 20. I'm going to take Leviticus. Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Amen. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes d'Israël. Amen. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Amen. So here it's 21 in the English version. And Aaron shall lay both his hands upon the heads of the live goats and confess over him all the iniquities of the children of Israel and all the transgressions in all their sins. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes. Amen. Dans une terre aride. Amen. Il sera chassé dans le désert. Amen. Putting them upon the heads of the goats and shall send him away by the hands of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited. And he shall let go the goat in the wilderness. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand Jésus vient, when Jesus is coming, il est ce bouc-là. He is that goat. Mais les enfants d'Israël voulaient toujours amener des boucs. But the children of Israel wanted to always bring those goats. Vos péchés c'est terminé. So your sins are over now. Alléluia. Amen. Alléluia. Miché, frère Robert, Micaiah. Trouvez-moi Miché et prenez le micro, vous pouvez lire ce. Can you read Micaiah for me, bro Robert? J'ai une version qui est un peu différente. I have a different version. Alléluia. Amen. Là, vous avez des repères. Ce n'est pas William Branham qui invente la mer de l'oubli. So, bro, Branham is not actually inventing the sea of forgetfulness. Mais il vient pour révéler la parole écrite. So he came there to reveal the written word. Vos péchés ont disparu. Your sin oui. has disappeared. Oui, lisez ça. Michée 7, 18. So Micah 7, verse 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est jusqu'à quel verset? C'est 19, je pense. So, who is a God like unto thee that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he is delighted in mercy. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. Amen. 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 Il Amen. Jettera tous vos péchés dans la mer. He will throw all your sin into the sea. Into the sea. Quand Jésus meurt, so when Jesus died, quand on l'enterre, when they buried him, vos péchés ne sont plus visibles. So your sins are not visible anymore. Pouvez-vous réjouir de ça? Can you rejoice upon that? Alléluia. Amen. Quand Dieu vous regarde, when God is looking at you, vos péchés dans le sang de Jésus, your sins are in the blood of blanc comme la neige. Your sins in the blood of Jesus are white as snow. Et quand il n'y a plus de péché, and when there isn't any sin anymore. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? What will happen? Le Père peut vous recevoir. And the Father can receive you. Tout ça.
Jésus a vécu, vous avez vécu. Jesus lived and you lived. Jésus est mort. Jesus died. Vous allez mourir. And you will die. Mais vous ne pouvez pas mourir comme lui. But you can't die like him. Il est mort d'angoisse. He died from he was anxious. And devant he was toute sa famille. Naked among la all his family. La mort la plus honteuse. The death, the most shameful death. Par amour pour vous. By love to you. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? So what can I do for him? Seulement l'aimer. So just to love him. Amen. Seulement l'aimer. Just to love him. Amen. Il fallait qu'il soit enterré. So he needed to be buried. En portant mes péchés. So taking away my sins. Today. Si ça veut remonter à la surface. So if those dites sins au diable, were actually in Dieu the surface, ne les voit pas, tu mens. And you can tell the devil that God doesn't see my sins si anymore. Tu regardes à ton passé tout le temps. So if you're looking at your past every time. Tu diras, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Le diable va te dire, ça ne sert à rien, tu ne te perfectionnes même pas. The devil will say to you, oh, it's actually c'est worth ce nothing to go to church. Menteur. And that's what he loves, he's a Dieu liar. Ne voit pas ça. God doesn't see that anymore. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez l'entendre? So, do you want to hear it? Romains 8. Romans 8. Dans Romains 3, il est dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. All of us are maintenant, écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit. Deprived from the glory of God. So now, hear what the Holy Spirit is saying. Romains chapitre 8. Romans chapter 8. Alléluia. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Amen. There is Alléluia. Therefore no, now no merci condemnation Jésus. To them which are in Christ Jesus. Aucune condamnation. No condemnation. Là, quand Jésus ressuscite, so when Jesus Christ is rising, vous êtes justifié. You have been justified. Vous savez justifié. So, do you know what justify means? Votre casier judiciaire est blanc. Your criminal record is white. Comme vous n'avez jamais péché. So, you never sinned. Ce jour-là, quand nous partons. So, that day when we are going. Quelle joie d'entendre. Amen. What a joy it will be to hear. Le diable sera toujours là. Oh, come, and the devil will be there. Il a fait ça. Oh, he has done this. Satan. Satan. Tais-toi. Just be quiet. Amen. Amen. Il m'a accepté. He accepted me. Il a rendu témoignage. And he bear il witness. Il n'a pas eu honte de moi. So he didn't. Il a fait ça. Il a fait ça. Dieu oh, he has done this and that. Je ne t'écoute pas. Je ne vois même pas ce que tu me montres. And God will say, I won't listen to il you. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont so en Christ. There isn't Jésus. Any condemnation for those who are in Christ Jesus. Quelle joie ça fait. So what a joy de it is. De quitter. To hear yourself that you are free. C'est ce que Jésus a fait pour vous. So that's what Jesus quand has Jésus done ressuscite, so when Jesus Christ is rising, il a le sceau. He has the seal. Tout a tenu. Everything held. Comme le pasteur a prêché le sceau de Pâques. Just like the pastor preached the toutes Easter seal. Toutes les fois que le prêcher nous montrait la cité céleste. And he was preaching, showing us the celestial city. Et chaque fois j'avais envie de me lever pour chanter, connais-tu cette cité? And every time I wanted to just stand up and to sing, do you know that beautiful city? Il y a une cité. There is a city. Amen. Où les gens n'auront pas dépensé des milliards. Where people won't have to spend billions. Pour détruire en une seconde ce qu'ils ont construit pendant des siècles. To destroy in 1 second what they have been building for centuries. Il n'y aura pas de l'intelligence même pour une lance ou une flèche. There won't be any intelligence to make some arrows or some. C'est le diable qui donne cette intelligence. So the devil is the one giving that il kind of intelligence. Il y a une cité qui nous attend. There is a city waiting for us. Alléluia. Amen. Merci, amen. Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Quand Jésus ressuscite, when Jesus Christ is rising, la chose est parfaite. Everything is perfect.
Tout est accompli. Everything has been done. Plus de condamnation. There is no condemnation. J'ai vaincu la mort. I've overcame J'ai vaincu death. Le péché. I've conquered sin. Le péché à cause duquel il y a des maladies. The sins because of what there are diseases. J'ai vaincu la mort. I've conquered death. J'ai vaincu la tombe. I've conquered the grave. Et là, dans le séjour de mort, and there in the Hades, le diable voulait venir. And the devil wanted to come. Écarte-toi, et donne la clé. Just go away and give me the keys. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus retenir captif. So you cannot keep them prisoner anymore. Eve, Adam, and Adam tu can entends, himself. Tu vois. And Eve, can Celui you see? Qui nous visitait au temps du soir au jardin d'Éden. The one that was talking to us in the Le evening time, the Garden of Eden. Ce n'est pas une légende, c'est Brothers la vérité. And sister, those are not legends, it's the truth. Seth. Et il s'appelait. And they were calling themselves Abel. Abel. Abraham. Abraham. Alléluia. Amen. Noé. Noah. Et les autres au temps du Noé. And the others in the time of Noah. Pouvaient vouloir s'approcher. They could have wanted to come too. Vous ne pouvez pas. But you can't. Si vous n'avez pas accepté votre message et, le jour de votre vie. If you didn't accept the message vous serez during séparés. Your life. You will be separated. Noé pouvait dire, mais c'est ce que je vous disais. And Noah could have said, Le message que je prêchais. I was preaching that message. Et Lot. And Lot. Alléluia. Amen. Les sodomites impudiques. And the sodomites. Adultères. Adulterers. Pouvaient crier. They could have cried. Et ils sont encore là. And they are still there. Prisonniers. Prisoners. Ils avaient déchiré Lévitique. They Dans Lévitique, il est écrit, si un homme couche avec un homme comme une femme, so in Leviticus, c'est it, it l'abomination. Is written, If a man sleeps with another Quand man, vous lisez just like ça, a woman, it's, vous an, vous dites, it's an abomination. When you're si reading Moïse that, était en vie, excuse me. Si Moïse okay, était en vie, if Moses was alive, écrivant ça, writing that, tous les gouvernements d'aujourd'hui le condamneraient. All the governments of today will actually condemn On him. On n'emprisonne pas la parole. Or you cannot make the words Quand prisoner. Quand tous se sont rassemblés, So they gathered together. Le séjour de mort a perdu une population. And the dwelling of the dead. Alléluia. The Hades Les élus de ce temps-là. The elected of those times. Il y a une parole. So there is a word. Qui devait s'accomplir même au séjour de that mort. That had to be fulfilled even in the Hades. Porte ouvrez-vous. So gates open Le yourself. Le roi de gloire Amen. Doit passer. The king of glory needs to pass. Il a pris les clés du séjour de mort. And he took the keys of the dwelling of the Il dead. Il est monté. Tombe ouvrez-vous. And a grave open yourself. Ils sont sortis de And la tombe. And they came out of the graves. Et ils sont montés. And they went up. Alléluia. Les Amen. Premiers élus. With the electeds. Ils sont allés maintenant. And they went. À une dimension. In a dimension. Où ils sont en repos. Where they are resting. Et vous maintenant. So you now. Quand vous mourrez. When you die. Vous n'allez plus comme Samuel et Daniel dans le séjour de mort à cette dimension. You won't go just like Daniel Parce and those saints in the dwelling of the vous dead. A aimé. Because Jesus. Living loved you. Il vous a sauvé. And dying, he saved you. Enseveli, il a emporté vos péchés. And bearing, buried. Ressuscitant, il vous a justifié. He carried away your sins and rising. Il est parti. He justified you. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Là, nous ne chanterons qu'Alléluia. So we are going to sing Alléluia over there. Glory. Jésus, mon bien-aimé. Jesus, my beloved. Alléluia. Alléluia. Il est bon. He is good. Il est merveilleux. He is wonderful. Voyez ce qu'il a fait là. So see what he did. Aucun humain ne peut le faire. No human being can do Aucun that. Aucun ange ne peut le no faire. No angel can do that. Et il nous a ouvert ça. And he opened that il to a us. Il a envoyé William Branham. And he sent William pour Branham. Pour nous dire, tenez ferme. And to say to us, just keep Alléluia. Going. Amen. Votre rédempteur est vivant. Your redeemer is alive. Maintenant, bien-aimé, regardez. So now see, beloved. Ceux qui conduisent ici. So those who are leading here. Même ceux qui ne conduisent pas. Okay. So those who are driving Quand here. Quand vous voulez prendre votre train. So when you have to take a train. Parfois, vous trouvez des mécaniques.
So you will see vous some, devez mettre quelque chose pour passer. Some machines and you have to actually put your s'il ticket n'y a pas there. Ça. So if you don't have that, tant que vous avez votre ticket, so as long as you have vous your ticket, êtes très à l'aise. You are actually relaxed. Quelqu'un a déjà pris le train ou un voyage sans ticket. So somebody actually ça peut être arrivé. Just took a train without the ticket. Comparez comment vous vous sentiez en ce moment. So just compare yourself when you felt in that moment. Vous êtes là sur le contrôle. Vous n'êtes pas à l'aise. So you're not relaxed. Maintenant. So now. Avec votre véhicule. So with your car. Vous entrez dans une grande surface de l'aise. You are going like in a comment appelez-vous ça? Vous dites. Supermarché. In a supermarket like Deleuze. Yeah, vous n'êtes massive. Pas là à dire porte ouvre-toi. Non. So you won't stay. You won't actually say ça to the door. Ça s'ouvre quand tu y entres. Oh, door, open yourself. No, the mais door will avant open. Avant de sortir. So, but before tu going dois out, aller à la caisse. You have to go to the checker. To the cashier. Yeah. Checker ton ticket. You have to go actually to check your quand ticket. Quand tu viens là. So when you go there, la machine là, tu ne peux pas la corrompre. That machine, you cannot corrupt that. Tu ne peux pas la flatter. You cannot actually, you know, to who. Tu dois seulement lui présenter le ticket. You have to present your ticket. Ou avoir le ticket. And you have to have your ticket. Ailleurs, c'est automatique. So in some place, it's actually ce automatic. Ce ticket là rayonne quand tu viens, ça passe. That ticket will actually open the door mais for le you. Le tricheur quand il veut passer, ça bloque. But if someone wants to pass without the quand ticket, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, when you have the Holy Spirit in you, vous montez. You will go up. Amen. Porte ouvre-toi. A door, open yourself. Et le Saint-Esprit, c'est la parole. And the Holy Spirit is the word. Et nous terminons. And we are quand closing. Jésus est monté. When Jesus went up. Alléluia. Alléluia. Il leur parlait. He was talking to them. Souvent, j'aime bien ça, je répète ça. And often I talk about that. Luc 24. I like talking about that. Luke 24. Matthieu 28. Matthew 28. Acte 2. Acts 2. Pendant qu'il leur parlait. While he was talking to them. Amen. Vous parlez à quelqu'un. So you're talking to someone. Qu'est-ce qui nous retient ici? What is actually keeping on dit us here? La pesanteur. So we can talk about gravitation. Tout ce que tu jettes, ça doit retomber. So all the things you're actually throwing. Tout ce que tu lances, ça will doit go retomber. Down. Everything that you're throwing will go down. Amen. Mais il y a un peuple sur la terre. But there is a people upon the earth. Qui un jour. One day, aura la puissance sur la pesanteur. Will have the power upon gravity. L'épouse du Seigneur Jésus. Quand ils leur parlaient, voici c'est ce que je vous dis. Sur le chemin d'Emmaüs, in the way of il Emmaüs, est écrit. It is written, le Messie doit souffrir. The Messiah have to après trois jours, after three il days, va ressusciter. He will be resurrected. Et ils ont vu que l'homme commençait à monter. And they have seen the man going up and up. Un jour, nous allons aussi monter. So one day we are going to go up too. Revenant. So coming. Quand il revient. When he is coming. Vous prenez l'aimant. So you can take like a magnet. Vous mettez ici. And you can put that here. Il y a des morceaux de fer. Some des lames de rasoir. Irons and blades. Des papiers. And some papers, des plastiques, plastics, de sable, sand. Quand vous mettez l'aimant, and when you are actually putting the magnets upon all that, le sable ne dit pas je veux monter, il ne va pas monter. The sand cannot say oh I will go up, no, it won't go le up. Le papier peut dire je veux monter, and the paper il can say oh monter. I want to go up, but the paper il cannot faut go up. Que l'aimant, but the magnets. Il n'y a que des particules de fer qui vont monter. So only the irons il n'y a que le Saint-Esprit qui va monter. And only the Holy Spirit will go up. A vu ça. And Brother Branham has seen that. Les mains qui descendaient. The magnet that was actually going down. And the things that were actually going Dieu, up. Dieu, quand mon Seigneur viendra. When my Lord will come, he said. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Que toute parole d'homme soit mensonge. Every word of man will be Que ma parole soit vraie. And my words only is the truth. Quelle parole? What word? Jean 14. John 14. Nous terminons par là. We are going to finish with Alléluia. That. Amen. Nous terminons par là John avec 14. Une citation à la fin. We're going to end with a quote Jean chapitre 14. John chapter 14. Comme il est bon, Jésus. He is wonderful. He is good, Jesus. Jean chapitre 14. John chapter 14. Quelle merveilleuse promesse. What a wonderful promise. Ça réjouit nos cœurs. It rejoices our heart. Verset 3. Verse 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je ferai quoi? Ensemble. Amen. Et je prendrai avec Ensemble, je vais l'entendre. Et je vous prendrai avec moi. Je Amen. Vous prendrai avec moi. Amen. Qui va enlever ça? So, who can actually remove Quel that? Quel démon va empêcher ça? What demon will stop? Quel prédicateur va enlever ça? What preacher can stop that? Amen. Je vous prendrai avec I will take you with me. Quand il est monté avec Abraham et les saints, la Bible dit les saints de l'Ancien Testament. So when he went up with Abraham and the saints pas of the Old doctrine, Testament. Not a doctrine. Pas une explication. Not an explanation. Je vous prendrai avec moi. I will take you with me. Allez méditer Jean 17. Go meditate upon that. Père. Father. Et soit nous avons dit que le Père aime le Fils, il lui donne tout. So we said that the Father loved the Son. Qu'est-ce qu'il dit? He gave him everything. Je veux que là où je suis, so I want vous y soyez aussi. Okay, so I want the place that I will go, I will be, you be there with si me. Si on vous dit nous sommes dans le millénium, Jésus est déjà venu ici. So when people can say, oh, we are already in the millennium, Jesus already came here. Avec des missiles et tous ces trucs-là. With the rockets and the bombs, etc. Avec des maladies chaque saison. With the diseases every season. Non, vous pouvez vous moquer du diable. Allez et avoir pitié de frères qui prêchent des choses comme so ça. So you can laugh at the devil and have pity upon those brothers. Non, de toute façon, si eux veulent ça, c'est ça. So if they want that, okay, it's Parce a... Après tout, Dieu donne. Quand il voit le désir de votre cœur, il vous donne finalement. If God will see the desire of your heart, and He will give you the desire Pourquoi? Of your heart. Why? La Bible dit qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison so the d'entendre Bible, des choses agréables. So the Bible says that there will be a time where the people will have the anger for sweet things, lies. Amen. Les élus ne seront jamais séduits. But the electors won't be deceived. Citation finale. So the last quote. Que tout ce qui a été dit reste dans nos cœurs. So I hope that everything Vivant, that has been il m'a said, aimé. Stay in your hearts. En mourant, living, il m'a sauvé me. Gratuitement pour toujours. Dying, he saved me Pas sauvé forever. Aujourd'hui, perdu demain, non. Not saved today and lost tomorrow, no. Enterré, il a emporté mes péchés. Buried, he carried Comme away my sins. Comme le bouc d'Azazel. Just like the Azazel Au goat. Loin. And far dans away. La mer de l'oubli. In the sea of forgetfulness. Alléluia. Amen. Ressuscité, il m'a justifié. So, rising, il a fait retomber son esprit sur moi. And J'ai he gave mon ticket me spirit. Pour le ciel. I have my ticket J'ai for mon visa heaven. Pour la gloire. I have my visa for the glory. Revenant, il m'amène au ciel chez moi. And coming is taking me home at heaven. Merci, Seigneur. Amen. Citation 59, frère Branham prie là. So, paragraph 59, Brother Branham is praying. Oh Dieu, bénis-les. Oh God, aide-nous. Help us. Nous sommes conscients qu'il nous reste plus beaucoup de temps.
So we realize we don't have much more time. Car c'est juste à la porte. For it just at the door. Dans l'heure qui vient, selon les scientifiques. And 1 hour from now, according to the scientists. Les nations pourraient ne plus exister. The nations could be no more. Et nous prions au Dieu. And we pray God. Tandis qu'en ce matin de Pâques. As we stand this Easter morning. Nous chaque jour c'est Pâques. And for us, every day chaque it's dimanche, Easter. C'est Pâques. Every Sunday it's Easter. Nous nous tenons là. So we stand. Au seuil de ta venue. Upon the threshold of his coming. Au seuil de sa venue. The threshold of his coming. L'espérance de l'Église. The hope of the church. Amen. Vous allez rencontrer un frère qui va même vous faire pitié. So you will qui need va a avoir pitié de vous. That will have actually pity on you. Il est déjà venu. Oh, he will vous say to vous attendez. Oh, he already came. You are ne still waiting. Pas. So don't. Voici c'est que la parole. Don't dit. Trouble yourself. That, l'espérance this is the word talking, de l'Église. The hope of the church. Des milliers sont couchés là-bas dans la poussière de la terre. Many thousands are laying yonder in the dust heure. Of the earth. Waiting for that hour. Leurs âmes sous l'autel crient. Their souls jusqu'à under the quand, crying. Seigneur? How long, Lord? Jusqu'à quand? How long? Je t'ai prié au Dieu I pray God de nous parler. That you will speak et to rappelons-nous us. And let us remember que quoi que nous fassions ici sur la terre, that no matter what we ever do here on earth, cela représente si peu. It's so little. Et la seule chose que nous puissions faire maintenant, and the only thing that we can c'est do d'attendre now, ta venue. Is wait for your coming. Et d'en parler à tous. And tell everyone. Le message est pressant. The message is urgent. Puissions-nous faire savoir aux gens rapidement. May we get it to the people que quickly. Que tu peux revenir d'un moment à l'autre. That you may come at any time. Avant que ces bombes dont ils parlent. Before these bombs that they are talking et ces about, missiles ne viennent à pleuvoir sur la terre and, par milliers. And these missiles that can eux be ne la recouvrent en une minute. Of thousands of them avant laying over que il arrive. In 1 minute. Tu as that happens, promis, Seigneur, you've promised to, de venir chercher ton peuple. To come, Lord, get your people. Il en sera ainsi, Seigneur. It will be that way, Lord. D'une minute à l'autre, so most any minute, il pourrait donc y avoir une résurrection. There could be a resurrection. Un Pâques pour l'Église. An Easter for the church. Une résurrection de cette vie de péché. A resurrection from the sinful life. À la vie éternelle par Christ. And to the life eternal. Entends nos prières. Through Christ, hear our prayers. Vivant, il m'a aimé. Living, he loved me. Mon frère, ma sœur. My brother, my c'est sister. C'est le moment de nous consacrer. It's the moment to consecrate ourselves. De penser à cet amour. And to think about that love. D'avancer toujours dans son amour. And to advance si always in his love. Et s'il y a quelque chose qui fait que vous ne soyez pas prêt. If there are things that are stopping you from being ready. It's the time to stand du Saint-Esprit. Up. Do you want the Holy Spirit? Lever. It's the moment to stand up. Pensons à cet amour. And may we think about that love. C'est pourquoi nous pouvons chanter. That's why we can sing. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. The Lord love me. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Pouvez-vous dans l'adorer? La can you worship him? Amen. Dans la misère, j'étais plongé. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Pensez à cet amour. Think
Adorez-le. Adore him, worship him. Présentez-lui votre requête, votre âme. So he hears il your, est présent. Request of your soul, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, wherever two or three are gathered in my name, I will be among them. Priez. So pray. Adorez. Worship him. Alléluia. Alléluia. Merci, alléluia, Seigneur, que chacun l'adore. Merci, Seigneur Jésus. Adore, Seigneur, de tout le monde, Père. Tu es Dieu, Seigneur, Dieu, Père. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu, Jésus. Oh, Dieu, de tout le monde, Seigneur, Dieu. Toi qui es Dieu, Seigneur. Toi qui es l'Éternel, Seigneur, Dieu, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur, Dieu, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur, Dieu, Jésus. Oh, pardonne-nous, Seigneur, Dieu, Jésus, Père. Tu nous as pardonné. Tu nous as justifié, tu nous as aimé, Seigneur, et tu reviens nous prendre gratuitement pour toujours. Tu nous as jamais justifié. Oh Dieu, tu nous as jamais sauvés, Seigneur. Pour que nous soyons perdus demain, nous sommes sauvés pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus, Père. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu Jésus. Merci Jésus-Christ, Seigneur. Merci Seigneur Dieu, Père. Tu es Dieu, Seigneur Dieu, Père. Tu es là, Jésus, Père. Merci Papa et Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ton amour Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour le prix Seigneur fort que tu as payé pour nous Seigneur. Aide-nous à avancer Seigneur Jésus. Aide-nous à avancer selon tes voies. Oh Dieu, tu es Dieu. Oh Papa, guide-nous Seigneur. Que sommes-nous sans toi Père? Que sommes-nous de toutes les façons? Dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu, si je pense à tes grands faits, Seigneur Dieu, à tes grandes œuvres, Seigneur Jésus, que suis-je pour que tu te rappelles de moi, Seigneur? Oh Jésus, mais tu nous as aimés, Seigneur, et tu nous as protégés, Seigneur Dieu, et tu nous as gardés, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, tu es grand, Seigneur Dieu, et pourtant, tu es devenu si petit, Jésus, Père, tu es devenu si petit pour nous, Seigneur Jésus. Si petit pour nous, Seigneur Dieu. Devenu si petit, si humble, Seigneur Dieu, Père. Oh, Dieu, tu as accepté de mourir, Jésus. Quel homme pourrait faire ça pour un autre homme? Je redirai toujours le Seigneur même. Le Seigneur même, il est à vous. Je redirai toujours le Seigneur même. Le Seigneur même, il est amour. Dans la souffrance plus amère, dans la souffrance j'étais plongé. Je redirai toujours le Seigneur même. Le Seigneur même, il est amour. Toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Quoi qu'il arrive, no matter what is happening, quelles que soient les épreuves, whatever the trials, je redirai le Seigneur même. I will say that the Lord loved me. Il est écrit, it is written. Après que vous ayez souffert un peu de temps, after you have been suffering for a short le time, Seigneur vous rendra inébranlable. The Lord will make you strong, so strong. Vous lui dire merci pour ça. Can you thank him for that? Nous allons prier. We're going to pray pour les ministres ici, for the ministers here, ou les ministères, and for the ministry, les services ici, and for the services, notre pasteur frère Adams, our pastor brother Adams, notre bien-aimé frère Enoch, our beloved brother Enoch, les interprètes frère Caleb, frère Pépin, frère Antoine, the interpreters brother Caleb, brother Pépin, brother Antoine, les musiciens, the musicians, l'école de dimanche, and the Sunday school,
les administrateurs et les techniciens, the trustees and the technical part, chacun l'un pour l'autre, and everybody is here for the other. Prions le Seigneur. And now we are praising the Lord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître de l'Univers, toi qui connais toutes choses, Seigneur, toi qui ne changes pas, voici tes serviteurs ici, mon serviteur, mon frère Adam, ce que tu as établi ici, notre frère Enoch. Nous voulons être sincères devant toi, Père, nous voulons accomplir pour toi, frère Robert, frère Patrick et son équipe. Frère Pépin, frère Antoine, chacun de nous, Seigneur, comme tes enfants. Nous avançons pour toi, Jésus. Tous, Seigneur, sommes tes serviteurs. Chacun dans sa vie, Seigneur Jésus. Je laisse les ministres entre tes mains, Seigneur Dieu. Je laisse ton pasteur entre tes mains, Père. Les prédicateurs entre tes mains, mon Dieu. Jésus, aide-les, Seigneur Dieu. Aide-les vraiment, Seigneur. Guide-les, Père éternel. Je laisse la partie technique entre tes mains, Seigneur Dieu. Tout entre tes mains. Toi qui es Dieu, Jésus, toi qui es là pour nous, Jésus, aide-nous à te rendre ceci, Père. Aide-nous à te donner un culte agréable, Seigneur. À chaque fois que nous chantons, Seigneur Dieu, à chaque fois qu'il y a le streaming qui joue, Père, à chaque fois qu'il y a une prédication, nous voulons que ton nom soit jamais glorifié. Nous voulons qu'il y ait chaque chose à sa place pour toi, Seigneur. Pas pour nous, Père. Pas pour nous, seulement pour toi, Jésus, seulement pour ta gloire. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci, Jésus. Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant. Beloved Father, Almighty God. Merci pour ta bonté, Seigneur. Thank you for your goodness. Pour cette parole qui est sortie. Thank you for this word that came out. À travers des mots entrecoupés. With some shortened words. Qu'elle trouve une terre fertile dans nos cœurs, Seigneur. May that word find a good ground upon our hearts. Merci pour la force que tu donnes à chacun de nous. Thank you for the strength you are giving to everybody. Te remercions pour notre sœur Kétia. We are thanking you for our sister Kétia. Pour toute personne, Seigneur, qui était faible ou malade. For each one of us that were sick or weak. Toutes les âmes affligées, Seigneur. All the afflicted souls, Father. Tu es le seul qui aime les affligés, qui les guérit. You are the only one that loves the afflicted and that heals them. Merci, Seigneur. And thank you, Father. Thank you, Lord. Te recommandons nos jeunes. And we are committing the young ones into your hands. Ceux qui étudient encore, Seigneur. Those who are still studying. Que tu leur donnes des résultats comme Daniel et Meshach et Shadrach. May you give them intelligence just like Daniel, Shadrach, et Abednego. And Abednego. Par ton esprit, Seigneur. Through your spirit, Lord. Aussi que tu les gardes des souillures des écoles de ce monde, Seigneur. May you keep them from being defiled by this world. Comme tu les as gardés à Babylone. Just like you kept them well in Babylon. Aucun parent ne peut garder son enfant. No parents can actually preserve. Aucune personne ne peut garder l'autre. His child, and nobody can actually keep the other. Ton Saint-Esprit, Seigneur. Only your Holy Spirit. Remplis chacun de nous, May you Seigneur. Fill each one of us. Baptise ceux qui doivent être baptisés du May Saint-Esprit, Seigneur. Those who need to be baptized with the Pour Holy Spirit. Ta gloire. Lord, for your glory. Merci Jésus. Thank you Jesus. Te recommandons ceux qui doivent se marier, Seigneur. And you are committing those who want to be married. Envoie chacun sa Rebecca, Seigneur. Send to each one of them their Rebecca. Et à chacune son Isaac, Seigneur. And send to each one of them their Isaac too. Parce qu'il est écrit que c'est un don de l'Éternel. Because it is written that it's a gift from the Lord. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. May that be the case. Tu connais le besoin de chacun. So you know the needs of each one of us. Toi, le consommateur de la foi. You are the comforter and the consummator of faith. Élève la foi pour que chacun possède et qu'il sorte d'ici avec ce qu'il a demandé. So raise the faith so each one of us can go out from here with what we asked. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Pendant que nous sommes inclinés, as we have our heads bowed,
Est-ce que je peux demander au pasteur d'avancer? I can ask the pastor to approach. Et aussi à l'église de prier pour moi. And also for the church to pray for me. Par la grâce de Dieu, je veux voyager pour Kinshasa samedi prochain. And for by the grace of God, I will go to Kinshasa the next Sunday. Le prophète dit que quand vous voyagez, la première personne qui vous accueille, c'est le diable. The prophet is saying that when you travel, the first person to welcome you is the devil. Et le Seigneur aussi nous dit. And the Lord is also saying us. Je suis avec toi partout où tu seras. I will be with you wherever you will go. Allez annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Go tell the gospel to the whole world. Que le Seigneur vous bénisse. And may the Lord bless you. Et voilà aussi, Father. Père éternel. Thank you, Father, for this wonderful morning, Lord. Merci, Seigneur Dieu, pour ce merveilleux matin. Thank you, Father, for the word that we heard from your servant. Merci pour la parole que nous avons entendue de ton serviteur. Lord, we commit him unto your holy hands, Lord, to protect and bless him. Et nous le remettons entre tes mains. Nous prions que tu puisses le protéger, le bénir. Lord, I also thank the Lord for being here together with the Lord Jesus. Seigneur, nous te remercions aussi d'être ici ensemble avec toi, le Seigneur Jésus. Because he promised that wherever two or three are gathered, he will be in their midst. Parce que tu as promis que là où deux ou trois sont assemblés, tu serais parmi eux. Lord, you say that it's also good for brethren to be together. There you pour out your blessings. Et tu as dit qu'il est bon pour les frères de s'assembler ensemble, et c'est là que tu déverses tes bénédictions. Lord, your word, you are the word, Lord. Seigneur, tu es la parole. And when the word is preached, that is your presence to bless your children. Et quand la parole est prêchée, c'est là où est ta présence pour bénir Lord, tes enfants. May you bless the vessel that you used to speak. Puisses-tu bénir le vase que tu as utilisé pour parler? Lord, you hear his request, Lord. Tu as entendu sa requête, Seigneur. That he is also going to Kinshasa next Saturday. Qu'il va à Kinshasa pour le prochain samedi. Lord, you know that he's not going there to have a picnic. Seigneur, il sait qu'il va là-bas pas pour avoir un pique-nique. Lord, he also go there to feed your children, Lord. Il va là-bas pour nourrir tes enfants. Lord, I pray, Lord, that you will bring your presence also with him. Seigneur, et nous prions que tu puisses l'accorder ta présence avec lui. That he may be a blessing to the saints over there. Comme ça, il serait une bénédiction pour les saints là-bas. Especially the saints in Zélie. Spécialement les saints Anselé. And wherever the Lord you lead him to go and feed your children. Seigneur, partout là où tu vas le conduire pour nourrir tes enfants. Lord, may you direct his ways, Lord. Seigneur, puisses-tu conduire ses voies. Seigneur. As he said, comme that il a your prophet said. Comme le prophète dit aussi. When you travel, the first person to receive you is the devil. La première personne à vous accueillir quand vous voyagez, c'est le diable. Lord, but we pray, Lord. Mais nous prions, Seigneur. And we take under our authority. Et nous prenons l'autorité. Every activity of Satan. De toutes les activités de Satan. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. May he go in the name of Jesus. Qu'il aille avec le nom de Jésus. That every evil spirit that will rise against him, we condemn. Que chaque esprit qui se lève contre lui et nous les condamnons. May the Holy Spirit open every door that is closed before him. Que le Saint-Esprit ouvre chaque porte qui sera fermée devant and lui. Protect him and bring him back safely. Et que le Saint-Esprit le protège et le ramène sain et sauf. You promise that you'll be with us when we are going and be with us when we are coming back. Tu as promis que tu serais avec nous en aller comme au retour. Lord, we commit him unto your alliance while he is going. Et nous le remettons entre tes mains là où il part. And we believe by your word and by your promises that he will come back safely. Et il va partir avec ta promesse et ta parole que tu as dit qu'il va revenir sain et sauf parmi nous. And we also thank your children who are here to hear. Et nous te remercions aussi pour tes enfants qui sont venus ici pour t'écouter. And those who could not come because of work or something different. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir à cause du travail ou à cause d'un inconvénient. And those who are listening from far. Et ceux qui écoutent de loin. May you bless their ears. Puisses-tu bénir leurs oreilles. Bless their hearts.
Puisses-tu bénir leur cœur. That will hear and receive, Lord. Qu'ils puissent entendre et recevoir. And we also commit the coming week unto your hands, Lord. Nous remettons aussi la semaine qui vient entre tes mains. Lord, be with us, and if you tarry to come, that you will bring us back next week, Lord. Sois avec nous, et si tu tardes à venir, puisses-tu nous ramener ici pour la semaine prochaine. As we ask in Jesus Christ's name. Alors que nous demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. May God bless you. Que le Seigneur bénisse. J'amène vos salutations. I will bring your greetings. À Kinshasa. Amen. To Kinshasa. Amen. Frère Paul vous a transmis ses salutations ce matin. So, Brother Paul brought his greetings to you this morning. Frère Robert. Les musiciens, Robert, comme le Seigneur revient, musician, j'ai bien voulu entendre quand l'appel retentira, je Amen. Serai là. I would like to hear when the roll we call up yonder, I will be there. Et right. Matin de la résurrection. And the morning of the resurrection. Dieu vous bénisse. And may God bless Amen. You. Amen. 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 You may be seated. Amen. Faut vous asseoir. For Germany. Donc pour l'Allemagne. So those who didn't write their names, they can continue to write. Ceux qui n'ont pas écrit leur nom, vous pouvez continuer à les écrire. Amen. And also, Brother Clément and his wife, they want to go with us. Le frère Clément et son épouse aimeraient aller avec nous. And then he called me that if they didn't write their name, we can write their names. Donc ils m'ont appelé pour me dire s'ils n'ont pas, comme ils n'ont pas écrit leur nom, on peut écrire leur nom. Amen. So we are going to let's work towards that journey. Donc nous allons aller. Yeah, we'll work towards that journey. Okay, donc nous allons aller avec eux donc en Allemagne. And also, there's going to be a meeting, a convention in Mons, I think. Donc je crois qu'il y aura une convention à Mons. The last time when we went to ministry, the ministers' meeting. Donc la dernière fois j'ai été à la réunion des ministres. So they talk about it. Donc ils en ont parlé. So they say that in Mons there's a big place that we can hire. Donc ils ont dit qu'à Mons il y avait un grand endroit qu'on pouvait louer. So Brother André asked me, he called me to see how many are coming from here. Donc le frère André m'a demandé combien en fait viendrait en fait ici. So I don't know, so that those who want to go. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés d'y aller. I think it is going to be in. I think it's going to be in April or May, no, May or June, I don't know. Donc je pense que ce sera en avril ou en mai, je ne sais pas très bien. So if somebody wants to go next, I would find the exact date. Donc si quelqu'un aimerait venir, je vais trouver la date exacte. So that next week I will tell you, so that if some of you want to go, you can go. Et donc la semaine prochaine, je vous annoncerai, donc si quelqu'un veut venir avec nous, bah, vous êtes les bienvenus. Amen. So, I'm late today because yesterday I went to Paris. Donc j'ai été en retard aujourd'hui parce que hier j'étais à Paris. So, I went out, in and out, so I was so tired. Donc nous avons fait un aller-retour et je suis vraiment fatigué. But I said, okay, let me come. Mais je voulais certainement venir. So I called Brother Corneille that I would come, but it would be a little bit late. Donc j'ai appelé le frère Corneille lui disant que j'allais venir, mais je serai en retard. So everything went well over there. Et tout s'est bien passé là-bas. And we thank the Lord for everything. Et nous remercions le Seigneur pour toutes choses. Okay, next Sunday is Brother Enoch who is going to preach. Donc le dimanche prochain, ce sera le frère Enoch qui va prêcher. Because I am invited to to preach in Antwerp. Donc parce que j'ai été invité à prêcher en Anvers. So brother brother Ntumba. Donc c'est le frère Ntumba. George Ntumba. C'est le frère George Ntumba. He was a time a part of us a long time ago. Donc il y a vraiment longtemps, il faisait partie de cette église. I think it's brother Guido who married them or is c'est frère Guido qui les a mariés, non?
It's not the broad ghetto that married them. Ntumba George. The wedding they was made in Amen Tabernacle. Donc ils étaient mariés à Amen Tabernacle. So he called me to be there with their 10th anniversary. Donc il m'a appelé pour être là-bas pour son 10e anniversaire. So he said, okay, I would like you to bring the word. Il m'a demandé si je pouvais apporter la parole. So last this week he sent me a message that it is going to be Sunday. Next week Sunday at 2 o'clock in the afternoon. Donc il m'a dit, il m'a envoyé un message cette semaine, disant que ça serait la semaine prochaine à 14h après-midi. So maybe I can come here. Donc peut-être que je pourrais venir ici. So 12 o'clock I will start going. Mais à 14h je vais commencer à partir. Amen. Antwerp is not far, so maybe 30 minutes, 40 minutes I'll be there. Donc c'est pas 12 o'clock, c'est à midi, pardon, je me suis trompé. Donc c'est à midi, je serai parti. Yeah. So I will come in the morning, then in the afternoon I'll go there because I will start preaching 2 o'clock. Okay, donc du coup je vais venir peut-être le matin et à midi je vais partir parce que je vais commencer à prêcher à 14h. So I would like to ask Brother Caleb if he can go with me. Alors je voulais demander au frère Caleb s'il pouvait venir avec moi. So that, if it's okay, it's false. Okay. Thank you. God bless you. Ça, alors, que le Seigneur vous bénisse, it's okay. Okay. So that is for the moment. That is what is the announcement. Donc ça, c'est ce qui concerne les annonces pour le moment. May God bless you richly. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons prendre le cantique 95. Quand l'appel retentira. When the roll is called. Je sais, oh, quand la paix.
très spécial. J'invite le frère Jephté à s'avancer. Christ from the dead dwells in you, dwells in you. If the same spirit that rose Christ from the dead dwells in you, dwells in you, it shall quicken your mortal body. If that spirit dwells in you, it shall quicken your mortal body. If that spirit. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénisse, bien-aimé. Nous allons prendre les cantiques 180 car les rachetés s'y assembleront. Et nous sortirons avec ces cantiques. Retentira dans la vie quand les rachetés s'assembleront.
libre du péché. Que des cris, que des cris, que des chants, que des chants dans les vaches des assemblements. Les saints chanteront la rédemption. Les anges écouteront seulement, ne pourront pas l'enchanter. Quand les rachetés s'assembleront, oh, quand les rachetés s'assembleront, blanc comme neige, libre du péché. Quand les rachetés s'assembleront, s'assembleront.